Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo unboxing et grande annonce. Ben ouais, parce qu'en fait j'ai plein de choses à vous dire et une big annonce à vous faire. Donc restez dans cette vidéo pour découvrir tout ça. J'ai reçu de la part de Cricut trois petits colis. Vous le savez, il y a quelques temps, Cricut m'a envoyé la Cricut Explore 3 qui est ici en version mint. Et honnêtement, pour ma classe de maîtresse, pour le quotidien aussi, pour des créas, des cadeaux personnalisés, pour la vie avec mes enfants, il y a plein de choses que je peux faire grâce à ça et c'est juste trop bien. J'ai pu faire des petits cadeaux personnalisés avec le prénom des enfants, mais c'est juste des cadeaux trop sympas et je découvre, je l'utilise au fur et à mesure et je vous montre tout ça dans mes petites cibles. La marque a été adorable et a proposé de m'envoyer parfois quand j'ai besoin du matériel pour ma classe, pour pouvoir l'utiliser avec mes élèves et ça je trouve ça juste trop bien. Donc rien que pour ça, n'hésitez pas à mettre un like parce que je trouve ça trop bien qu'une marque propose de m'envoyer du matériel pour mes élèves, pour ma classe, pour faire des choses avec mes élèves. Et alors là, ils envoient encore un truc en plus pour mes élèves encore une fois. Donc encore une fois, mes élèves sont pourris gâtés pour cette vidéo. Alors là, s'ils regardent cette vidéo, ils vont dire ouais, on n'en a pas encore eu l'utilité. Mais oui, parce qu'en fait, le dernier cadeau que je viens d'avoir là, je vais vous le montrer. Et vous allez comprendre pourquoi ça va être particulièrement pour mes élèves. Bientôt, nous aurons, nous, en classe, des tablettes. Et on pourra donc utiliser avec cette nouveauté qui est là. Cette nouveauté, je vous en parle tout de suite. On va faire durer un tout petit peu le suspense. J'ai d'abord reçu ce petit paquet-là. Cricut m'a envoyé du coup pour mes élèves du Smart Iron On, donc du vinyle thermocollant blanc pour faire du thermocollant sur des vêtements, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on m'a envoyé aussi du thermocollant noir. Donc ça, c'est cool. Ça servira pas pour mes élèves parce que c'était pas ce que je voulais, mais c'est pas grave, la marque s'est trompée. Ma foi, c'est pas grave. Je voulais du vinyle, en fait, mais pas thermocollant, en fait, tout simplement pour faire des créations, pour coller sur nos boules de Noël, etc. Donc, c'était pas ça. Et alors, ça, c'est cool. Ils m'ont envoyé des accessoires pour découvrir une fonction de la Cricut que moi, je ne connaissais pas. C'est tout ce qui est foil, travailler le foil. Donc là, il y a un kit de transfert foil donc avec une pointe exprès pour pouvoir faire des effets foil, en fait, des effets un peu dorés, holographiques sur vos feuilles, vos dessins. Et deux paquets comme ça de feuilles foil, justement, un petit peu vert, violet et bleu. Donc ça va être cool. Il y a pas, vous avez aussi du doré, du argenté, etc. Ça existe dans plein de motifs différents. Et vous pouvez faire des créations vraiment avec que des dorures. La pointe va spécialement dessiner en fait le dessin que vous voulez créer sur votre feuille. Par exemple, en fait, comme là. Vous voyez, ça fait ces espèces d'effets là, comme ça, hop, un peu argenté. Donc là, ça va faire avec les couleurs des feuilles. Donc ils m'ont envoyé ça pour que je puisse tester. Donc ça, je suis très contente parce que je vais pouvoir découvrir. Et on va pouvoir passer à cette boîte là. Donc c'est évidemment, comme vous le voyez sur la boîte, la Cricut Joy. Ils font Cricut maintenant. Cricut s'est lancé en fait sur son site internet. Vous pouvez commander. Vous n'êtes plus obligé de passer par Zodio, par Amazon ou par un magasin différent, Cultura, etc. Parce qu'on trouve du Cricut un peu partout. Maintenant, vous pouvez commander sur le site Cricut tout simplement. Donc je vous mettrai dans la barre d'infos si ça intéresse certaines. Et ils ont fait un package là pour les fêtes qui est la Cricut Joy, c'est-à-dire une petite Cricut qui est vraiment bien pour les enfants, les adolescents et même pour vous, hein, qui est version petite, que vous pouvez emmener partout et que vous pouvez utiliser par exemple si vous êtes maîtresse dans votre classe et à la maison. Donc c'est vrai que moi par exemple la Explore elle est ici, mais celle-ci elle est vraiment destinée pour ma classe. Donc la Joy là, ça va être vraiment pour ma classe. Là je vais l'utiliser un petit peu ici pour la découvrir, pour savoir m'en servir et tout ça. Mais ça reste le même principe que l'autre, hein, tout simplement. Et pour les fêtes, ils ont fait un package où vous avez donc la Cricut Joy et vous avez pas mal de matériel avec, qui va être beaucoup moins cher en fait. Enfin, le prix de la Cricut Joy avec tout le matériel va vous coûter le prix de la Cricut Joy seule en fait. Donc vous aurez tout le matériel pour commencer, pour faire des créations, entre guillemets, gratuitement. Donc je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc dans le petit colis, on a hop, la Cricut qui est là et pff, je suis trop contente. Donc la version petite, vous voyez, on peut faire des petites customisations là qui ont l'air trop bien. Ouais, je suis trop contente et celle-ci, vous pourrez donc la retrouver dans un package avec plein d'autres choses. À l'intérieur, vous avez la machine de découpe compact Cricut Joy, la lame, le boîtier, un stylo à pointe fine, donc pour faire plein de choses à l'intérieur.
Et ça c'est cool parce que pour la mienne par exemple, j'ai dû avoir des stylos en plus, ils n'étaient pas dans le pack. Vous avez le tapis d'adhérence, vous avez aussi des cartes d'accueil, un adaptateur secteur, un abonnement d'essai gratuit au fameux Cricut Access, 50 projets prêts pour la création en ligne, matériel pour une découpe de pratique et ce qu'il vous faut, un ordinateur ou un appareil mobile compatible, une connexion internet parce que oui, via votre connexion et via votre téléphone ou votre ordinateur, vous pouvez régler des petites choses, mettre vos petites images et envoyer directement à la machine qui va... qui va exécuter ce que vous lui avez dit. Donc on va rapidement l'ouvrir et je vais vous montrer aussi le deuxième. Ouais, la boîte elle est sympa, la boîte directe elle est comme ça, vous avez déjà ça qui est collé dedans, donc c'est pas mal, vous avez le guide avec toutes les explications et vous avez souvent à l'intérieur de ça des petites feuilles pour justement commencer à tester. Et là voici la petite machine, oh elle est vraiment petite, vous voyez, vous la voyez beaucoup plus grosse, elle est vraiment toute petite. Toute plastifiée pour que ça soit pas abîmé pendant le transport. Donc je vais tout déballer. Il y a les fils en dessous, ouais. Il y a le petit stylo. Bah écoutez, ma foi, c'est cool. Elle est pas mal. Je suis contente. Je vais pouvoir la tester avec mes élèves. De toute façon, je vais vous montrer après des images où je l'ouvre, où je la teste et on teste ensemble, on découvre ensemble. Mais je vais ouvrir comme ça d'abord le deuxième colis. C'est un colis d'accessoires pour aller avec la Cricut Joy. C'est les fameux Smart Vinyl. Donc là, en fait, les grands que vous avez vus tout à l'heure, c'est pour les grandes machines, que ce soit la Explore ou la Maker. Vous avez les versions petits qui sont adaptées du coup à votre machine. Vous n'avez pas besoin comme ça de tapis. Donc le tapis, c'est vraiment si vous avez des découpes précises sur des petits bouts, etc. Mais là, vous pouvez faire vos découpes directement sur les rouleaux et ça va découper. Et si vous avez par exemple une grande feuille à faire, bah, ça va découper sur toute la feuille que vous avez besoin. Donc ça, c'est vraiment sympa. Donc à l'intérieur, j'ai du vinyle amovible doré. Donc ça, c'est top pour m'écrire avec mes élèves. Un deuxième pot de vinyle amovible doré aussi. Donc ça, c'est trop trop bien. Un troisième, ouais, on a été gâtés. Donc c'est trop trop bien. Encore une fois, du vinyle doré pour mes élèves. On a du blanc, donc super. Là, on en a aussi deux. Donc du vinyle amovible blanc. Et c'est bien que ce soit amovible parce qu'il existe aussi la version permanente. Et je vous avoue que mes élèves, j'ai peur qu'ils se plantent un peu. Donc au moins là, on pourra modifier s'il y a quelque chose hein, qui se passe. Et pour finir, on a trois rouleaux là, dans le petit colis. Trois rouleaux de transfert. Et pareil, vous avez vu des formats adaptés pour les petites mains de mes élèves. Le transfert, ça permet d'enlever vos créations quand elles sont comme ça. Hop, je vous en montre une. Quand elles sont comme ça, de mettre le transfert dessus et de pouvoir le transférer où vous voulez sans avoir à tirer et à abîmer votre forme. Donc c'est très très bien, de toute façon je vous mettrai dans la vidéo au fur et à mesure comment ça s'utilise, vous allez voir avec moi, mais c'est très très bien. Donc ça c'est parfait pour mes élèves, ça va être super. Donc je pense que dans cette vidéo je vais vous montrer un petit peu comment utiliser la Cricut Joy, que c'est possible pour des enfants, peut-être que je le ferai même avec ma fille. Et j'essaierai de vous montrer aussi pour le foil, parce que j'avoue que ça m'intrigue bien et j'ai trop trop envie de tester, ça me donne envie, par exemple, pour faire des cartes de Noël, des choses un peu stylées, ça peut être très très cool. Donc, je remercie évidemment dans cette vidéo la marque Cricut, qui est juste trop 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 sympa de penser à ma classe. Et alors, la grande nouvelle, vite vite vite, avant que ça coupe, je vais vous montrer après des petites préparations, mais la grande nouvelle, c'est qu'on va pouvoir se rencontrer. Si vous êtes du Nord, près de Lille, ou de la région du Nord, et que vous avez envie de me rencontrer, vous avez envie de découvrir la machine avec moi, et que je vous fasse des tutos, et qu'on papote ensemble, et que je vous montre un peu comment ça fonctionne, il y a deux dates qui ont été mises en place entre moi et Cricut et le magasin Darty, puisque ça va se passer dans le magasin Darty de la zone commerciale anglo. Je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos. J'y serai le samedi 4 décembre et le samedi 11 décembre après-midi de 14h à 19h pour vous faire des petites démonstrations de Cricut Joy avec mon ordi, avec mon téléphone et avec le vôtre aussi. Vous pourrez aussi faire avec moi, vous pourrez faire des créations pour le jour J, pouvoir utiliser aussi tout ce matériel pour faire des petites choses, je sais pas, hein, la relique de la mort sur votre téléphone, des choses comme ça. Si vous voulez aussi faire des trucs avec moi, et ben voilà, vous avez deux rendez-vous avec moi, donc j'ai hâte de vous rencontrer. N'hésitez pas à me dire si vous serez au rendez-vous, si ça vous plaît l'information. Si vous n'êtes pas du coin, ben j'en suis désolée. En tout cas, ça se passe dans le Nord, évidemment, puisque c'est plus pratique pour moi. Et j'ai trop trop hâte. J'espère que mes élèves seront là, qu'il y aura plein d'autres personnes qui viendront me découvrir et découvrir la machine. Donc voilà la bonne nouvelle du jour. J'ai tellement hâte. J'ai déjà fait des rencontres à Zodio il y a quelques années et c'était tellement bien. Donc j'ai trop 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 hâte de vous croiser et puis de croiser d'autres gens aussi que je ne connais pas. Mais voilà, ça va être très très cool. Donc on se retrouve...
à ce moment-là, hein, peut-être au 4 ou au 11 décembre si vous êtes là. Et puis sinon, on se retrouve pour la suite de la vidéo, pour des créations, et puis pour voir ce que je vais réussir à faire avec cette petite machine et que je pourrai vous faire découvrir du coup le jour J.
vidéo un petit peu création Cricut et découverte de la machine Cricut Joy vous aura plu. J'ai hâte de savoir si vous allez être là le 4 ou le 11 décembre avec moi à Darty, anglo pour information. Je remercie encore la marque évidemment comme je vous l'ai dit. Et puis n'hésitez pas à me dire si ça vous fait kiffer ça, cette idée d'animation, de me rencontrer ou pas, hein, peut-être que vous en fichez, de pouvoir faire une petite formation entre guillemets, démonstration Cricut. Vous pourrez utiliser ma Cricut, la Cricut Joy, et dites-moi si ça vous intéresse, ça vous plaît, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et surtout à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut.